Très bien, merci. Qu'est-ce que tu exprimes à travers ta musique? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi, pour les Côté autres? musique, vraiment, c'est l'espoir déjà. Et la vie. Parce que la vie, il faut fêter la vie. La vie n'a pas de prix. Ça veut dire la vie coûte vraiment cher. Et vivre, il faut le fêter, quoi. À chaque instant, à chaque moment, et de faire comprendre tout le monde que nous avons beaucoup de chance d'être en vie et que la vie, c'est tout. Sans vie, il n'y a plus rien. Sans vie, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que je fais la musique, pour à chaque instant me rappeler moi-même que c'est précieux de vivre, le partager, le fait que de dire que c'est bon de vivre, c'est bon d'espérer et de rencontrer des gens. C'est ça la musique. Je fais de la musique pour justifier ma présence sur Terre, et tout en sachant que c'est comme un voyage, quoi. Je suis en voyage et demain ou après-demain, je vais continuer. Mais tant qu'on est là, il faut fêter. Il faut dire, rappeler aux gens qu'il est précieux de vivre et qu'il est beau de vivre. La vie est belle. Merci, très belle réponse. Merci. Donc oui, tu as des origines pygmées, le Cameroun, tout ça, c'est très influencé par les pygmées. Et quelle influence ils ont eu sur toi et sur ton art? Qu'est-ce qu'ils représentent dans ton univers Tout artistique? petit, c'est pas à l'école qu'on m'a appris que les pygmées existaient. C'est parce que quand on était tout petit, mes parents et mes grands-parents se racontaient non seulement entre eux les histoires, et que nous on était obligés d'écouter, et à un moment même, ils nous racontaient ces histoires. Et les pygmées ont très vite pris place dans mon esprit. Et tous, tout petits, mes frères, mes cousins et moi, on rêvait déjà être pygmées. Parce que on nous parlait de pygmées comme si c'était des gens exceptionnels. Des gens qui étaient capables de chasser sans les armes comme le fusil. Des gens qui étaient capables de guérir des maladies. Des gens qui étaient capables, même on nous dit qu'ils étaient capables de disparaître dans la forêt et de réapparaître. Donc, notre rêve était un jour de vraiment aller à la rencontre des pygmées un jour. Mais on nous disait toujours que non, les pygmées, ils sont loin dans la forêt, ils vivent très loin dans la forêt, ils sont loin dans la forêt. Et à un moment, on n'y croyait même plus. Et vraiment, quand j'ai été la première fois pour rencontrer et voir un pygmée, et de constater que le pygmée, c'est exactement un homme comme moi, il parle, il mange, c'était une grande joie. Et c'est quand je vais à l'école, maintenant, qu'on me réapprend à l'école que les pygmées sont des gens de petite taille qui vivent de chasse et de cueillette. Ça rejoint ce qu'on m'avait déjà dit en famille. Et quand on me dit encore que les pygmées sont les premiers habitants de la forêt, et quand j'apprends l'histoire de mon peuple, le peuple Ekan, qui serait arrivé dans la forêt, je déduis directement que si mon peuple Ekan a survécu dans la forêt, ça veut dire qu'il aurait été aidé par les pygmées. Donc c'est les pygmées qui ont aidé nos ancêtres à s'en sortir dans la forêt, à pouvoir espérer dans la forêt, à vivre dans la forêt, à faire tout ce qui est dans la forêt, tout ce qui est pour vivre dans la forêt. Et tout petit, je me suis aussi intéressé à leur musicalité parce que les chants pygmées, c'est super. Et comment ils chantent. Et vraiment, c'est une fierté, mais c'est dommage ce qui arrive aux pygmées aujourd'hui. Parce que selon les dernières nouvelles, on m'a dit que les pygmées ont été même interdits de chasser dans la forêt. Et que les pygmées sont en train d'être ramenés de la forêt pour essayer de les faire vivre dans les villages sans les meilleures conditions, ce qui fait qu'il y a au moins un pygmée qui meurt par jour au Cameroun, dans mon pays. C'est lamentable. Donc, la vie est en train de devenir quelque chose qui me faisait peur avant. Les pygmées sont en train de mourir et bientôt ils vont disparaître. Et qu'est-ce qui va arriver après? Donc, c'est des inquiétudes. C'est pour ça que ça me donne la force de présenter aujourd'hui, quand je fais un spectacle, je parle toujours des pygmées, j'essaie de jouer leur musique, je joue les instruments des pygmées, pour rappeler à l'humanité que quelque chose de grave est en train de se préparer. Les pygmées vont peut-être disparaître un jour. C'est terrible.
Et comme je lis dans les histoires, il y a des peuples sur cette terre qui finissent par disparaître. Et comme je sais que les peuples disparaissent, c'est pour ça que je me suis donné la mission d'essayer de faire parler de ma culture Ekamp à tout le monde, aux enfants. Je vais dans les écoles raconter des histoires. Dans la rue, je chante. Je vais parfois, j'ai même la possibilité d'aller dans les prisons pour intervenir auprès des jeunes incarcérés. Je parle que de la culture Ekamp. De peur qu'un jour, ça disparaisse. Et une dernière question. Est-ce que tu es porté par un rêve, un idéal ou une vision des choses que tu aimerais voir devenir réalité? Bien sûr, je suis dans une vision que tout le monde, peut-être les gens me regardent et me disent toujours que je suis à côté, mais je préfère être à côté parce que ce que le monde nous donne aujourd'hui en cadeau, avec tout ce que nous avions fait, c'est malheureux. Nos ancêtres, nos parents, dans leur tombe, pas seulement, mais même en France, aux États-Unis, parce qu'avant, ici en France, c'était comme il y a maintenant en Afrique. Et peut-être l'Afrique sera aujourd'hui, sera un jour comme en France. Le véritable problème est que, oui, je vis peut-être dans un nuage, mais j'aimerais que la paix revienne sur cette terre et qu'on puisse apprécier de vivre sur cette terre en sachant que nous ne sommes pas éternellement ici. Je rêve beaucoup, je veux que tout le monde soit heureux, je veux que la guerre s'arrête, que les guerres s'arrêtent, que les haines. J'aimerais voir un monde beau, sans couleur, sans guerre. En plus, nos différences, c'est toute une richesse. Et que le monde, il peut être beau un jour. Si on abandonne toutes nos luttes, tout ce que les gens sont en train de faire, je vois vraiment un monde meilleur. Et je n'arrêterai pas de souhaiter que le monde soit meilleur. Et je n'arrêterai jamais. Même moi-même, parfois, je suis dans les situations les plus difficiles, je chasse toujours l'idée de croire que c'est fini. Ça ne peut jamais finir tant qu'il y aura des gens qui vont croire et qui vont faire. En plus, depuis que je suis allé en France, quand j'entends les gens parler de la France, comment la France, les Français sont méchants, je dis oui, les gens, les Français, vous pouvez dire que les Français sont méchants, mais peut-être faut avoir de vrais yeux ou avoir la chance de rencontrer des gens vrais. Parce que quand on rencontre des gens vrais, qui a pas Et est-ce que tu peux mettre ça dans ta poche? Qu'il y ait du grain. Du grain? Du grain, ouais, sur l'image. C'est un petit écran, du coup, on voit pas de rien. Le grain, c'est quand ça vibre, comme ça? C'est quand ça fait des petits grains, quoi, sur l'image. Mais là, c'est compliqué de faire autrement. Ouais, en toute façon, ouais. Mais est-ce que t'es sûr que c'est pas juste... à la caméra que ça fait ça et ça partira à l'écran? Elles sont quand même en bonne qualité, celle-là est sur le reportage ISA Sator. Je crois qu'on n'avait pas. Fais une question d'ouverture de diaph et de d'ISO. Ça c'est pour vous, quand je vais jouer, il faut que je le mette. C'est pour la boîte, pour la jachette. Comme ça. Parfait. Bon, t'es prêt? Est-ce que si j'ai la lumière comme ça, ça t'éblouit? Non, pas vraiment. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que c'est bien pour avoir la lumière dans l'œil. Alors, c'est bon, t'es prêt? Oui, c'est bon. Donc, bonjour François.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Merci. Je m'appelle François Essini Koulou. Je suis Camerounais. Je suis de l'ethnie Bilabani. Et ma mère est de l'ethnie Boulou, Yézou. J'ai donc grandi dans plusieurs villages au sud du Cameroun. Merci. Qu'est-ce que c'est ces ethnies? C'est des... C'est des groupes linguistiques, c'est des groupes ethniques. Mmh. Et au Cameroun, il y a beaucoup de groupes linguistiques. Il y a plus de 318 langues, ethnies différentes, avec des langues qui font de grandes familles de langues. Les Bétis, les Nordistes, les gens de l'Ouest, c'est une multitude de cultures au Cameroun. On parle près de 308 langues là-bas. Mais... Merci. Et qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais en général? En général, je suis ici en résidence artistique parce que je vis en France depuis un bon nombre d'années et j'ai eu la chance de rencontrer ce théâtre qui s'appelle le Théâtre Aleph dans le quartier de Ivry-sur-Seine. Donc je suis donc ici en résidence comme acteur de la compagnie, mais je peux profiter de cet espace pour faire mes propres projets. C'est pour ça que, spécialement tous les lundis, j'ai fait un cours d'initiation au rythme et découverte des instruments traditionnels de ma culture, que j'appelle la culture Ekam du Cameroun. Et tu peux me regarder dans les yeux, hein, t'es pas obligé de regarder ça. Ok. En ce moment, vous faites un spectacle, il me semble, au Théâtre Aleph. Hein? Qu'est-ce que c'est comme spectacle? De quoi ça parle? Le spectacle, comme tout aujourd'hui, est dans lequel je joue le rôle de Dieu, Dieu Tout-Puissant. C'est un spectacle qui s'appelle La démocratie de la peur. C'est une trilogie de Oscar Castro. Oscar Castro est un Chilien. Il est un Chilien révolutionnaire, un artiste qui aurait été torturé par Pinochet et qui a été exilé à la demande d'un groupe, un collectif d'artistes français qui est parti pour rencontrer Pinochet et qui a demandé à Pinochet, au lieu de tuer Oscar Castro ou bien le tuer en travaux forcés, mieux vaut peut-être ils lui ont proposé de le faire exiler en France. Et leur proposition a marché. Donc Oscar Castro a été exilé en France il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années. Et arrivé en France, c'est la ville d'Ivry-sur-Seine qu'il a reçu comme citoyen de la ville d'Ivry. Alors comme déjà, il semble que dans le camp de concentration, Oscar Castro avait changé le camp de concentration en y créant une gigantesque compagnie de théâtre. Et que c'était vraiment, c'est le théâtre qu'il a fait, Marc, qu'il a fait. Et il est arrivé ici, il a demandé qu'on lui permette de créer ce théâtre, de faire ce théâtre qui s'appelle le Théâtre Aleph. Et aujourd'hui, ça fait qu'il y a plus de 30 ans. Donc, il y a ce théâtre qui s'appelle le Théâtre Aleph. À Ivry-sur-Seine. Merci. Donc, tu es un artiste, c'est comme ça que tu te présentes. Et quel est ton but en tant qu'artiste? Mon but en tant qu'artiste est que, déjà, je regrette du fait que je sois parti de chez moi très tôt. Je n'aurais jamais voulu partir de chez moi. Mais j'ai fait un choix pour partir de chez moi. C'est que s'il faut que je reparte, si je parte de chez moi, il faut que je revienne bien un jour et pour faire quelque chose. Donc je suis parti du Cameroun avec le but de venir à la rencontre des gens qui ont des moyens, qui peuvent aider à des projets culturels et de rentrer au Cameroun et créer un lieu culturel pour former les jeunes et les adultes à faire la même chose que je fais. Je suis musicien traditionnel, je joue aux instruments traditionnels, je conçois les instruments traditionnels, je les fabrique et c'est ce que j'aimerais, rentrer au Cameroun, créer un lieu et former les jeunes à faire ce travail et à pouvoir vivre. Parce que depuis que j'ai fait ce travail, il me fait vivre. Je vis à cause de ce que j'ai fait et je vois que ça peut faire vivre d'autres personnes. Merci. Donc oui, tu recrées des instruments pygmées, tu les adaptes, tu les modifies un petit peu, mais tout en gardant leur esprit. Est-ce que ces instruments ont une signification particulière pour toi? Oui, ces instruments ont une signification particulière, parce que si ces instruments n'avaient pas une signification particulière, moi je n'aurais pas eu la chance de les trouver. C'est des instruments qui ont aidé nos ancêtres à traverser des étapes et avoir de l'espoir, à partager cet espoir, à survivre. Et je crois que c'est peut-être ma destinée de continuer ce travail et de faire aimer ce travail aux jeunes personnes et à tout le monde. Et
C'est mon travail, je crois que merveilleuse ici en France. Il y a des gens merveilleux partout, mais il ne faut pas désespérer. Il y aura toujours des gens bien et qui vont nous faire croire et espérer. C'est ce que. C'est mon monde, quoi. C'est ce que je crois. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi. Merci. Et donc, c'est ce que tu essayes de transmettre dans ta musique? Oui, ma musique, c'est que c'est pas fini. Jamais abandonner et jamais dire que c'est fini. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer et qui peut ramener la vérité, le bonheur, la joie, le partage et le rêve, quoi. C'est ça. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours espérer. Et pour commencer à espérer, c'est nous-mêmes qui devons être déjà bien. Parce que si on est bien, on va partager du bien. Mais si on n'est pas bien, on ne peut pas partager du bien. Donc, je fais les efforts tous les jours d'être bien. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration Ah oui, alors. De ton instrument. Avec ces instruments, c'est un instrument que j'ai fabriqué personnellement. Pourquoi je l'ai fabriqué comme ça? Vous voyez comment il est. Il est tissé comme le djembé en Afrique de l'Ouest. Les djembés, les instruments d'Afrique de l'Ouest sont tissés comme ça pour ne pas les réchauffer au feu. Et nous, nos tambours longs en Afrique centrale, il y a plutôt, c'est fait autrement, et il y a les morceaux de bois qui sont fixés par ici et qu'on doit taper pour serrer. Et quand on ne tape pas, on va les chauffer au feu. Et si on chauffe au feu, ça cuit la peau petit à petit, ce qui fait que ça change le son et ça devient, finalement, la peau va se percer comme ça. Avec ce style, j'ai fait le canon long pour avoir les bonnes basses. Parce que quand le canon est long, il y a des basses comme... Ouais, ça fait la basse. Et j'ai fait donc un tambour fabriqué au Cameroun, mais qui rassemble l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et ce qui me fait, je peux faire des claques comme sur le djembé, et je peux faire les basses comme dans notre musique traditionnelle au Cameroun. Parce que notre musique traditionnelle est beaucoup plus sur la terre, les basses. C'est pour ça qu'on appelle le rythme le plus populaire du Cameroun les bikutsi. Bikutsi, écoute, ça veut dire taper. Kutsi, taper les pieds, taper la terre. C'est comme ça. Donc c'est les basses, taper la terre. Et sur les bords, on a le son aigu. Et comme dans la musicalité de toutes les langues en Afrique centrale équatoriale, les langues sont des langues à ton. Donc le ton haut et le ton bas. Et si vous partez dans un village au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, et vous entendez comment les gens parlent, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous allez juste entendre le rythme des paroles. Et donc, vous allez entendre quelque chose qui va faire comme ça. Parce que c'est seulement deux tons. Par exemple, pour dire bonjour en boulou, dans la langue de ma mère, pour dire bonjour, on dit mbolo. Ouais, c'est vraiment le ton. Donc, au temps de nos ancêtres et bien avant, la première chose, éducation, c'était apprendre la langue maternelle aux enfants. Avant, il y avait même toute une école, un système que, avant d'aller à l'école qu'on appelait l'école des Blancs, ça veut dire pour aller CIL, préparatoire, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, moyen 1, moyen 2, on partait d'abord à l'école de la langue, à l'école Boulou. Et c'est quand on maîtrisait sa langue Boulou qu'on partait maintenant à l'école de française. Mais je ne sais pas pourquoi c'était arrêté. Nos grands-pères ont fait cette école traditionnelle. Nos parents ont fait cette école. Moi, je suis de la dernière gamme de ce que cette école existait. Après moi, il n'y a plus jamais eu. Donc nous, avec moi personnellement, avant que je n'aille à l'école des Blancs, je suis d'abord parti à l'école traditionnelle pour apprendre à parler la langue. Pour dire Onodionosa, vous comprenez bien que Onodionosa, ça veut dire comment tu t'appelles. Onodionosa, pour dire Wasove, d'où viens-tu? Wasove. Wakeve, tu vas où? Wakeve. Donc, alors, tout petit, avant même que je n'ai l'idée d'être musicien ou de savoir que la musique existe ou que
tout petit, il y avait toujours devant la cour de la, devant la cour des maisons, à côté, on trouvait toujours un vieil instrument, un tam-tam d'appel ou un tambour comme ça. Et les enfants se ruaient sur le tam-tam et commençaient à jouer. Mais comme les grands ne voulaient pas nous voir jouer de n'importe quoi, ils venaient à côté et nous disaient, jouez comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de jouer? Ça veut dire quoi? Donc, il nous expliquait. Koula di bum, koula di bum, koula di bum, be fa son bum. Koula di bum, koula di bum, be fa son bum. Et ça veut dire quoi au juste? Koulou, c'est la tortue. Adi, il mange. Bum, c'est les feuilles de manioc. Et fa son bum, c'est un morceau de manioc. Vous connaissez la plante qui fait pousser le manioc? En Afrique, cette même plante, on mange les feuilles et dans les tubercules, on mange aussi les tubercules. Donc la phrase que je suis en train de jouer là, si simple, qui fait veut juste dire la tortue est en train de manger les feuilles de manioc en complément avec les tubercules de manioc. Okay. Vous voyez? Donc, et aujourd'hui, quand j'arrive dans une école et que je vois des enfants, écoute, je suis venu, je veux partager ma culture avec eux. Parfois, j'ai des petits, tambours. Je fabrique même parfois des petits tambours avec des boîtes de conserve, juste pour faire jouer les enfants. Et on fait tous. Ça marche tellement que parfois, quand je suis parti jouer dans une école quelque part ou bien dans une association, je reçois des coups de fil des gens qui me disent, mais c'est pas possible. À la maison, mes enfants n'arrêtent plus de taper sur les récipients, toujours en disant, Kouladi, bon. Moi, ça m'encourage. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Et c'est bon signe. Donc maintenant, il faut, à ces enfants-là, continuer à leur mettre cette créativité dans la tête et leur montrer et développer ça. C'est déjà bon signe. Et quand on voit donc même le tambour, ça c'est travailler le rythme. Mais le tambour sert à rythmer notre vie, la vie. Il rythme la musique, le tambour. Si l'enfant est malade et qu'on cherche quelqu'un pour soigner l'enfant, on va jouer le tam-tam d'appel pour appeler quelqu'un qui, et la personne va venir. Quand l'enfant là va se marier, on va faire une fête, on va jouer le tambour, on va jouer le tam-tam. Et quand cette personne-là va mourir, on va annoncer déjà qu'il est mort avec le tam-tam d'appel. Et pour rassembler pour la fête pour le dernier voyage, quand on va l'inhumer, on va toujours danser, on va toujours vivre. Donc, c'est des instruments qui rythment notre existence et qui rythment les musiques. Si vous êtes en France, j'ai joué ici en France, j'ai tourné avec un groupe de rock pendant 6 ans. Vous imaginez un tambour comme ça avec du rock. Mais c'était terrible avec un monsieur qui s'appelle Marchekan. On a fait toute l'Europe, le Portugal, l'Allemagne, la Lituanie, on est partout. La France, on a fait toute la France. On a fait un festival que vous entendez, Papillon de Nuit. C'est un festival de rock en France. On a fait beaucoup de festivals. Et là, la bille de bois rentre dans du rock. Le tambour accompagne tout. Donc, je vais vous faire maintenant un petit rythme qui n'est ni camerounais, ni mais qui est du monde. Le rythme le plus populaire, parce que c'est avec ce rythme que je fais les cours d'initiation à la percussion. Ce rythme, pour moi, c'est le centre. Si vous voulez jouer au tambour, vous voulez être percussionniste, si vous jouez ce rythme, vous êtes déjà percussionniste. Vous jouez ce rythme le plus accéléré, vous êtes percussionniste. C'est ici que je juge et que je dis aux gens, quand quelqu'un vient, je dis que c'est ce rythme. Tout ce que nous allons faire là, c'est juste pour travailler l'indépendance des mains. Mais si vous arrivez à jouer ce rythme, vous êtes percussionniste. Parce que c'est un rythme qui varie. Le voici. Maintenant, ce rythme, on le prend en valse. Valse français, ça va nous donner. Si on l'accélère,
elle est directement dans un algorithme. Merci beaucoup. Mm-hmm. Je pense par que... contre, aussi, je peux vous faire découvrir, parce que ça, c'est le tambour, mais il y a le tam-tam d'appel. C'est celui-là, là. Oui, la bille de boîte qui est petit. Bah oui, de toute façon, on a encore un peu de temps. Ouais, ouais. On va apprendre aussi quelques plans de la pièce après, mais. Ok. Super. Te prendre en train de jouer, c'est super. Super. Je vais les sortir parce que. C'est là. On n'a pas la même position. Ok. C'est là, c'est le tam-tam d'appel. Sur le tam-tam d'appel. Ici. Donc, ça, c'est le tam-tam d'appel. Nous avons ici deux. La fille. Le père n'est pas là, mais il est quelque part parce que avant que je vienne, que le théâtre ne m'ouvre ses portes, j'ai traversé une période très dure en France. J'ai eu très peur parce que tous ces instruments, si je suis venu avec du Cameroun, mais à un moment, j'ai perdu la maison où je pouvais rester. Donc j'ai fait la rue et les squats pendant longtemps. Et ces instruments, c'est la seule chose que j'aurais voulu protéger. Je savais que moi, rien ne m'arrivera parce que des amis, ou bien je vais rester dans les squats, ou bien appeler le numéro spécial en France pour trouver. Alors, il a fallu que je les cache chez les amis, des gens qui m'aimaient beaucoup et qui pouvaient prendre au moins un instrument chez lui. Et depuis que je suis arrivé au théâtre, que le théâtre Aleph m'a ouvert ses portes, je n'ai pas récupéré tous les instruments que j'ai laissés chez les gens. Et ça, c'est pour ça que la mère n'est pas là. La mère, le père, ça. Le père est plus gros que ça. Donc, ça se joue toujours à trois pour faire de la musique. Le tam-tam d'appel, le cool qui se joue seul, sert à annoncer une nouvelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, mais ça sert à annoncer une nouvelle. Mais si on veut faire la fête, on est obligé de jouer avec la mère, la fille, le père, et le tambour, c'est comme le grand-père. Parce que le tambour, lui, il met le rythme dedans. Donc, j'aimerais vous présenter le cool, le tam-tam d'appel. Comme la même chose que je vous ai dit avec le tambour, c'est deux tons. Le ton haut et le ton bas. Le ton haut et le ton bas. Pour dire bonjour, on dit un bolo, comme avec le tambour. Ou à sauver, ou à crever,
Spinoza,